Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul action. Alors désolé, direct de la qualité, je filme avec mon iPhone, donc pas top du tout, mais je fais avec les moyens du bord pour filmer ce haul assez rapidement. Il n'y a rien de fou, mais voilà, je sais que j'adore regarder les haul action, donc voilà. On commence tout de suite. Pour les enfants, j'ai trouvé ces petits dinosaures. Voilà. Et celui-là a un prix vraiment dérisoire. Donc j'en ai pris deux. Ensuite j'ai pris des cotons. 2 x 80. Donc c'est le paquet, hein, le lot. J'ai trouvé un spray imperméabilisant pour les chaussures. Donc c'est la saison du froid, des pluies, des taches et compagnie. Enfin des taches non, mais enfin voilà. Et c'est la marque Kiwi que je connais, donc valeur sûre, j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Une multiprise avec l'interrupteur. Pour continuer un petit peu, j'ai pris une clé USB 32 Go. J'ai repris des emplâtres. Donc qui marche très bien et que je reprends à chaque fois. Là j'en ai profité parce qu'il y avait le rayon qui était plein. La dernière fois il était vide, donc j'en ai pris 4 d'un coup. Ensuite j'ai pris un t-shirt noir basique à manches courtes. Il était vraiment pas cher, 1 €, même pas, 0,99 €. Et la dernière fois j'en avais pris 2 des comme ça à manches longues. Donc du coup j'ai repris parce qu'ils sont très bien. Voilà, j'en ai repris un. Ensuite, j'ai trouvé ce jogging pour traîner à la maison. Je l'ai pris en gris. Je voulais en noir, mais il n'y avait pas ma taille. Il restait que du L et du XL, XXL, tout ça. Bon, il n'est pas magnifique, hein, mais bon, pour traîner, sortir le chien le soir quand on n'a pas envie de s'habiller, bah voilà, on s'habille avec ce qu'on trouve. Mon père s'est pris du nettoyant pour les vitres dans la voiture. Du lave-glace hiver. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, pour les fifis. J'ai pris des croquettes, enfin des friandises pour chat et des friandises pour chien. Elles les aiment bien toutes les deux, donc c'est génial. Je reprends à chaque fois. En alimentaire, j'ai repris des petits princes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des noix de cajou. Et des cacahuètes. Bah, je les mélange en fait, comme ça je fais un mix des deux paquets dans un pot en verre en fait. Ensuite, rayon un peu bio organique, je sais pas trop quoi, c'était dans la promo de la semaine je crois. J'ai trouvé ces barres. Bon, c'était pas donné, il y a que 3 barres dedans et si mes souvenirs sont bons c'était 1,59 € ou 1,49 €. Bon, ça revient à environ 50 centimes la barre quoi. Bon, je m'étais dit pourquoi pas essayer, c'est la première fois que je les voyais, donc voilà, cranberry, ça avait l'air plutôt bon. Ensuite, j'ai trouvé des compléments alimentaires. Bon, je suis pas spécialement fan d'acheter ça peut-être à Action parce que je me dis que c'est pas cher et que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc là, j'ai quand même voulu voir. Il y a écrit AZ multivitaminé, donc vitamines et minéraux. La marque, c'est Innovit, santé et bien-être. Donc il y a 90 comprimés, donc c'est une cure de 3 mois. C'est un comprimé à prendre par jour. Et donc voilà, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'il y avait du calcium, du magnésium, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la gomme d'acacia, bon il y a du fer. Après bah, c'est vachement de trucs moléculaires, hein, sulfate de machin, amidon de quelque chose, bon bah voilà. Ça pourra peut-être pas me faire de mal, voilà, je sais pas, on verra. J'ai pris aussi de la vitamine C. Pareil, complément alimentaire que je n'achète pas chez Action généralement, que j'achète en pharmacie. Mais là, c'était là et c'était un prix vraiment dérisoire. Donc bon, bah, ça me coûte rien d'essayer. Je peux très bien être agréablement surprise. J'ai pris le gros bidon de gel nettoyant pour les mains. Enfin, du savon plutôt pour les mains. Petite parenthèse d'ailleurs sur le gel nettoyant. Je m'avais déjà fait une dans une vidéo de je sais plus quand. Le lot de 3 petits flacons d'antibactériens, enfin, il y en avait plus que 2 au lieu de 3 et le prix était pareil. Et maintenant, c'est le grand que je prenais pour mettre dans mon couloir. Bah là, il a augmenté. Enfin, le prix est le même, mais le volume a carrément diminué. Donc, bon, bah, c'est un petit peu agaçant quand même, quoi. Enfin, voilà.
Ensuite, rayon encore bio, un peu organique, j'ai pris des galettes de riz. Donc c'était moins cher que chez Carrefour. J'ai pris du 7-Up Cherry. En boisson, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris de l'aloe vera, que je reprends à chaque fois. Elle est très très bonne celle-ci. Voilà, j'ai repris les Choco Twist de chez Milka. J'ai pris des cintres, un lot de cintres noirs, il y en a 10. Donc c'est en velours, donc c'est plutôt pas mal. Les vêtements fluides ne tombent pas. Je suis envahie là. J'ai pris des chips bolognaises, les croquis et les mêmes nature. Voilà. Ensuite, en bonbons, ma mère m'avait demandé de prendre des trucs. Donc je sais pas ce que c'est. Je crois que je l'avais pris, c'est une sorte de pâte de fruits. Bon voilà, en tout cas, reçoit souvent les enfants à la maison. Donc Frozen. Les Frutella aussi, qui étaient plutôt pas mal. Hein. Voilà, il y a écrit des couleurs naturelles, des saveurs naturelles avec du vrai fruit. Du vrai jus de fruit. Et cela, voilà, qu'on va partager. Ce sont des bonbons normalement à l'eucalyptus. Ouais, menthol eucalyptus, donc ça c'est bien. Bon, je suis un peu encombrée. Je sais pas si ça va pouvoir m'aider, mais voilà. Et enfin, hop là, j'avais pris des cintres, mais blancs. Chez Action, ils sont pas terribles au niveau qualité. En fait, c'est-à-dire que la petite vis, le petit clou plutôt, qui se trouve ici, se défait. Mais bon voilà, ils sont quand même moins chers et en gros, faut pas trop les charger quoi. Faut pas mettre des trucs trop lourds dessus. Voilà, je suis vraiment envahie. Mais mon haul touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à poster les vôtres car j'adore les regarder. À la prochaine.